Cormango Bâtie, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous partage au quotidien des recettes, des astuces, de la décoration. Et aujourd'hui, je vous présente la machine qui vous permet de conserver jusqu'à 5 fois plus longtemps vos aliments. Vous avez été nombreux à me faire des retours suite à ma précédente vidéo dans laquelle je vous partageais mon quotidien et comment je conserve mes aliments. Mais dis-nous tout, explique-nous, c'est le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, pas de recette, mais une présentation de mon partenaire dans ma cuisine depuis maintenant un an, le Bisseil. Que vous allez garder 3 jours habituellement au frais, vous allez cette fois, avec l'appareil de mise sous vide Bisseil, vous allez garder votre soupe jusqu'à 21 jours. Oh l'autre, comment il se la raconte, je te jure. Vous pouvez conserver vos aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps dans un contenant comme celui-ci par exemple, mais pas que, vous allez pouvoir utiliser vos contenants que vous avez déjà à la maison. Vous allez me dire, mais comment? Tout simplement en les mettant sous vide. C'est un anti-gaspi. J'utilise tous les jours pour le reste de mes aliments, pour faire du batch cooking, pour emballer mes courses, donc de retour de course, mes fruits et légumes, mon fromage, ma viande, ma charcuterie. Qu'est-ce que le Bisseil? C'est très très simple, je vous fais une démonstration de suite. Alors je prends mon plat préparé, mes légumes, ce que je souhaite mettre sous vide. Tout simplement, je mets le couvercle et ensuite je prends donc mon appareil. Je l'emboîte dans la valve qui est au-dessus du couvercle et vous allez voir que ça ne prend que quelques secondes. La mise sous vide est faite. Pareil pour mes patates douces, j'ai un reste de patates douces, j'ai pas tout fait, elle était très très grosse, donc même chose. Donc les patates douces là, je peux les laisser comme ça pendant 15 jours sans problème. Plat préparé 11 jours sous vide. Super Michel, super. Là, j'ai le reste de riz, mais j'ai oublié mon couvercle. Et c'est un couvercle spécial lunchbox. Voilà. Et dernière boîte. La ventouse, elle est là. Et tout est en verre, hein, donc c'est en verre borosilicate. Bon, là, ça va peut-être être un petit peu plus long aussi parce que c'est assez vide, donc il y a pas mal d'air dedans. Voilà, c'est un peu plus long. Voilà. Et donc tout est prêt à être mis au frigo. Donc bon, c'est vraiment un jeu d'enfant et puis c'est surtout un anti-gaspi. Bon, je fais la même chose avec les champignons. Je vous ai filmé sur plusieurs jours tout ce que je peux mettre sous Bisseil. Évidemment, j'ai pas tout mis, mais ça vous donne une idée. Donc là, des champignons frais que j'ai coupés. Alors ensuite, je conserve au frigo. Mais bien évidemment, il y a d'autres choses que vous pouvez conserver en dehors du frigo, comme les cakes, les chips, les biscuits. Donc là, ce sont des récipients sur lesquels vous adaptez donc, les fameux couvercles. Ici, ils sont vraiment faits pour. Alors, ces récipients sont parfaits pour tout ce qui est, si vous voulez mettre des carottes entières, du poireau également, c'est parfait. Et alors, les soupes aussi, c'est top dans ces contenants-là. Mais ces couvercles universels se vendent donc seuls pour les adapter à des contenants que vous avez déjà. Ici, les petits le parfait que je peux adapter également. Des pots de confiture, des vieux pots de confiture ou des vieux pots haricots verts. Et ça s'adapte également. Parce que vous pouvez aussi acheter
juste les couvercles si vous avez des contenants ronds et surtout donc plats. Bon, je vous montre, donc là c'est de la salade que j'avais mis sous B-Save. Donc on enlève la mise sous vide. Je l'ai emballée, je ne sais pas. Je dirais il y a une petite semaine, donc elle est encore parfaite, comme vous pouvez le voir. Je voulais vous montrer, vous pouvez même mettre un avocat ouvert sous vide. Bon, on ne voit pas bien là, j'ai fait un crash test sur Instagram. Et alors je ne veux pas l'ouvrir parce que je teste justement, mais voilà, il noircit pas du tout. J'espère que vous voyez. Mais même les avocats, donc vous pouvez donc les conserver dans le B-Save. Alors avec le B-Save, c'est fini aussi de congeler ces blancs, d'attendre des heures pour qu'ils décongèlent. On les met sous B-Save au frigo. Hop. Et là, je vais pouvoir donc faire une recette. Hop. Lors de midi, je vais ouvrir un reste de légumes, de potée de légumes en fait, dans un bouillon. Et voilà, c'est fait. Je vais pouvoir manger ça ce midi. Et même chose, je vais aussi conserver du riz. Donc le riz, je vais vous faire une démonstration aussi. On va inverser. Hop. Alors ça, c'est une lunchbox qui est très pratique quand on va manger en extérieur ou quand on pique-nique. Et pareil, j'enlève la mise sous vide. Donc il me suffit simplement de soulever la valve et la mise sous vide. Et terminé. Je vais pouvoir déguster mon riz avec ma potée. Gros avantage avec ces contenants, ils sont en verre borosilicate. Donc juste après les avoir sortis du frigo, je peux directement les mettre dans mon four ou mon four à micro-ondes. Ça passe également au lave-vaisselle. Bon, dernière démonstration, cette fois-ci du fromage râpé. Et la même chose avec du poulet que j'ai cuisiné. Le contenant vient d'IKEA, donc ça n'est pas du tout un contenant B-Save, mais ça s'adapte avec les couvercles universels, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je vais également faire la même chose avec les pâtes. Bon, je ne vous le filme pas, mais c'est le même principe. Donc tout ce qui est plat préparé, les fromages, comme je vous l'ai dit, la charcuterie, la viande, les chips, les cakes, vraiment, tous vos aliments que vous pouvez donc emballer, les fruits frais, la salade. Je suis mise sur mon ordinateur pour bien vous montrer que vous avez la pompe de mise sous vide qui est ici et il existe plusieurs offres. Vous avez donc dans le dernier catalogue tous les avantages du B-Save jusqu'à 5 fois plus longtemps vos aliments. Ici, vous avez un petit récapitulatif de tous les contenants qui sont disponibles et le gros avantage, ce sont ces fameux couvercles qui sont universel. Donc vous avez soit la possibilité d'acheter des contenants et de les adapter, soit vous pouvez utiliser vos contenants tels que des pots de confiture, des pots Le Parfait qui seront tout à fait adaptables et que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça vous permet de ne pas jeter vos anciens récipients, c'est ça qui est top. Bon, dans le catalogue, vous avez différentes offres. Moi, je les personnalise avec vous en fonction de la composition de votre foyer, en fonction de vos habitudes, si vous faites du batch cooking, si vous achetez en grosse quantité, tout ce qui est fruits, légumes, la viande, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter, comme ça, on fait ensemble l'étude. Bien sûr, ces offres existent, mais on peut tout à fait, comme je l'ai dit, personnaliser. Donc, je peux très bien vous proposer la machine seule et ensuite on prend les contenants qui vous correspondent. J'avais fait un article il y a quelques temps sur le blog, je vous le remets donc dans la description. Vous pouvez également bénéficier de 5 euros de remise sur votre première commande. Donc il faut tout simplement me donner votre nom, prénom et mail. Je vous mets aussi tout le récapitulatif dans la description. J'espère que cette démonstration, cette explication et cette présentation du B-Save vous aura plu. Si vous avez des questions suite à cette présentation auxquelles je n'aurais pas su vous répondre, vous pouvez me contacter donc en message privé. Mon adresse mail est juste là, également dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.